Et moi, maman, qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, la petite, 6 ans à peine, m'a réclamé l'histoire. L'histoire des femmes. Des femmes de sa lignée. C'est normal d'avoir la liberté de penser et de vivre dans un pays de liberté. Et moi aussi, maintenant, à mon tour, je mène bataille. Ma bataille est intérieure. Et là, un énorme bruit, propulsé au sol. La situation est claire, je suis en train de me faire écraser par un camion. Hijo de puta! Boludo! La puta madre que la parió! Il s'agit peut-être d'abandonner votre attachement à la douleur de l'exil. Churrasco, dulce de leche, oh, Argentina, corazón. La mélancolie, c'est le deuxième sport national à Buenos Aires. Après le foot, bien sûr. J'étais si petite quand je suis partie. Enfin, quand mes parents sont partis. Moi, j'ai suivi, forcément. Ils font tous comme ça, les enfants d'exilés. Ils suivent. Passez-moi les serpentins. On va couper ça tout de suite. Tu m'as reconnu, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, toi. J'ai grandi. Mais je n'en peux plus de vivre sans toi. Je suis venue te chercher. 10 fois, 100 fois, 3 jours durant, j'ai hurlé avec l'enfant, sa colère. 10 fois, 100 fois, 3 jours durant, j'ai pleuré avec l'enfant, le grand départ.